pour ajuster manuellement l'heure sur votre montre Seiko Astron, vous devez d'abord savoir qu'elle peut s'ajuster automatiquement avec le signal GPS, avec les instructions dans la vidéo juste ici. Mais si vous voulez vraiment l'ajuster manuellement, vous devez dévisser la couronne juste ici. La couronne est maintenant dévissée. La couronne a deux positions. Si on tire doucement, le premier clic nous permet d'ajuster l'heure de la petite horloge juste ici. Donc pour ajuster l'heure, on appuie sur les boutons en haut ici qui nous permettent d'ajuster une minute à chaque pression et sur le bas pour enlever une minute à chaque pression. Maintenant, si on veut ajuster l'heure principale, on doit tirer sur la couronne une fois de plus pour l'amener en deuxième position. L'aiguille des secondes ira se positionner à 13 secondes. Maintenant, si on appuie sur les deux boutons ici, on va ajuster la date. Donc, si j'appuie en haut, je vais envoyer la date une journée plus tard. Je peux revenir à la date précédente en appuyant sur le bouton du bas. Pour changer l'heure, on doit maintenir le bouton ici 3 secondes. 1, 2, 3. L'aiguille de seconde va donc se positionner à 0. Et maintenant, on peut ajouter des minutes et les enlever comme on le faisait avec la date et la petite horloge. Une fois qu'on a terminé, on réappuie sur la couronne et on la resserre bien comme il faut. Très important de la serrer comme il faut, parce que si elle ne l'est pas, la montre n'est plus à l'épreuve de l'eau. Bien serré. Et voilà. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!